Pour les élus écologistes et citoyens, le document qui nous est soumis pour signature n'est pas acceptable, et voilà pourquoi. La première raison est que ce n'est pas un contrat. Le terme de contrat renvoie à un engagement volontaire, à un accord de volonté. En l'occurrence, ce contrat est imposé par l'État français à plus de 300 collectivités. La démarche qu'on veut nous faire passer pour contractuelle est unilatérale et descendante. Aucune inflexion ou modification des termes initiaux n'est possible. Peut-on parler d'un contrat quand l'État a figé les conditions et n'a pas permis d'amender le texte ? Le plafond de 1,5% a été fixé arbitrairement. Il ne sera tenable qu'au prix d'importants sacrifices. Si on signe le pacte et qu'on dépasse ce taux, on s'expose à des sanctions. Si on ne signe pas ce pacte, on s'expose à des sanctions encore plus fortes. Nous avons le choix entre la peste et le choléra, en somme. On pourrait penser que ce contrat génère également des obligations du côté de l'État. Eh bien non. Le contrat crée des obligations seulement pour notre ville. Aucune contrepartie n'est apportée aux efforts demandés. Nous n'avons aucune garantie pour l'avenir, ni sur le maintien de la DGF, ni sur la manière dont les recettes de la taxe d'habitation seront compensées, ni sur les possibilités de sortir à terme certaines dépenses de ce calcul. C'est ce qu'on appelle acheter un âne dans un sac. La deuxième raison est que le fondement même de cette contractualisation est injuste. Les collectivités ne contribuent que pour 8% à la dette publique, mais représentent par contre 70% de l'investissement public. Bien sûr, nous sommes comme chacun ici attachés à la nécessité d'une bonne gestion de l'argent public. Mais les collectivités ont déjà massivement contribué à l'effort de redressement sous le précédent quinquennat. La ville de Nantes a été, de ce point de vue, une bonne élève ces dernières années. Désormais, l'État ne s'attaque plus au gras de notre collectivité, mais bien à l'os, c'est-à-dire aux missions de service public, quand il se permet de voter un budget de la nation en déficit. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. La troisième raison est une atteinte à l'autonomie des collectivités locales. Il s'agit de la remise en cause inédite de l'autonomie financière des collectivités, du principe de libre administration, ce qui revient à une recentralisation de fait, contraire à l'esprit des lois de Gaston Defferre remettant de fait en cause l'indépendance de nos communes. Si la baisse de la DGF depuis 2010, dont celle de François Hollande depuis 2014, ont constitué le premier acte de recentralisation, la contractualisation imposée par Emmanuel Macron constitue l'acte 2 à la puissance carrée. Il n'y a aucune logique partenariale. Il s'agit d'une prise de contrôle technocratique des budgets de fonctionnement des collectivités territoriales. De son côté, l'État continue pourtant à déléguer des compétences toujours plus nombreuses aux collectivités, sans que les financements adéquats soient toujours transférés. Pire, les collectivités sont parfois obligées de pallier les carences de l'État. Je pense notamment à la question de l'accueil des réfugiés dans des conditions dignes. Ce mouvement de recentralisation est à rebours de l'histoire et de tous les signaux qui montrent l'importance de l'action locale, que ce soit dans le domaine économique, social, environnemental ou énergétique. Alors, quelles conséquences pour Nantes ? Le plafonnement de la hausse des dépenses à 1,5% par an est un objectif irréaliste. L'inflation, l'accroissement démographique, les transferts de compétences, les nouveaux équipements, les mesures salariales nous placeront de fait au-dessus de cet objectif. Il suffit de lire le compte administratif 2017 pour s'en convaincre. Ce plafonnement est tout bonnement contre-productif. Il aura pour effet d'empêcher toute initiative politique nouvelle. Il nous obligera à des coupes sévères, notamment sur le personnel, pour rester sous ce plafond de dépenses. De même, comme le dispositif ne prend en compte que les dépenses réelles, il ne sera plus possible d'aller chercher d'autres sources de financement au niveau national ou européen, sauf à externaliser le portage de nos politiques. Où est la cohérence quand on sait que des financements européens sont disponibles dans le domaine de la transition énergétique, de la solidarité ou de l'innovation ? Où est la cohérence pour Nantes ? On nous somme de baisser les dépenses coûte que coûte, la conséquence directe étant de brider, voire d'annihiler notre action. Ce sont les habitants de Nantes qui seront d'abord pénalisés, ainsi que nos services, dont certains sont déjà en difficulté. Un tour de vis supplémentaire ne sera pas soutenable. Alors en signant ce document, nous serons perdants quoi qu'il arrive. Madame le maire,
à aucun moment nous ne remettons en cause la légitimité de notre exécutif autour de vous, ni de la solidarité budgétaire, loin de là. Ce que nous remettons en cause, c'est une mise sous tutelle de l'État. C'est une contractualisation qui va à l'encontre de l'intérêt de Nantes. C'est l'incapacité de garder les mains libres pour mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. Aussi, nous, élus écologistes et citoyens, nous nous abstiendrons de cette délibération. Je vous remercie.